Aujourd'hui, nous allons parler du rat des moissons. C'est un tout petit mammifère qui ne fait qu'un demi-gramme à la naissance. Une fois adulte, notre petit rat des moissons fait tout juste 6 cm et 6 grammes. D'ailleurs, il ne touche le sol souvent qu'en hiver pour profiter d'un terrier construit par quelqu'un d'autre. Pendant longtemps, on pensait qu'il ne vivait que dans les céréales. Mais avec sa queue agile, il se déplace facilement dans les champs ou les roseaux et peut même se tresser un nid en hauteur. C'est d'ailleurs le seul mammifère de France à avoir une queue comme ça. Au menu de monsieur ou madame, des graines, des petits fruits, des insectes. Son ventre est blanc, son dos brun ou roux et ses petits yeux sont noirs. Notre petit rat est très actif, de jour comme de nuit. Mais il ne s'éloigne jamais de là où il est né. Madame Rat peut avoir parfois 12 petits par portée, et plusieurs portées dans la saison. Les petits rats grandissent vite, et 2 semaines plus tard, le nid est abandonné par la famille. Malgré qu'il se promène dans les champs ou les roseaux, le rat des moissons n'a pas de parasites. Mais quand il arrive l'automne, il a intérêt à se faire encore plus petit qu'il ne l'est, car l'herbe flétrit et les prédateurs le repèrent plus facilement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager à d'autres passionnés des animaux et à laisser un pouce bleu.